c'est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou les loulous. Coucou les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de coffret Pokémon Chelours GX, ce tout nouveau coffret. Waouh, il est trop beau les amis. Oh là là, j'adore. Derrière, il y a écrit gros câlin d'ours, c'est écrit derrière. Oh, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret? Il y a 4 boosts. Déjà, il y a une carte Jumbo Chelours GX avec aussi une carte normale Chelours GX. Et après, il y a 4 boosters, Soleil et Lune 2. Oh, trop bien. Tu me le fais voir ce coffret? Oh les amis. On ne savait pas du tout qu'il était sorti. Non, on ne savait pas qu'il était sorti. On est tombé dessus par hasard en allant faire les boutiques. Alors voici les Après, amis. Après, on est allé à un deuxième magasin où il était rempli de ça. Ouais, c'était rempli, ouais. Alors regardez les amis à quoi il ressemble. Il a une couleur violet et bleu. Il est magnifique. Alors moi, j'adore ces couleurs-là. Oh là là, il est trop trop beau. Toi, t'adores le rose et le violet. Alors, on les a tous. Bon, on a les 4 illustrations dans le coffret, les boosters. Et bien sûr, la carte GX et la Jumbo GX de Chelours. Alors bien sûr, comme Corentin disait, il disait qu'il y avait écrit « Attention au gros câlin d'ours oui, ». Alors, Chelours, oui. En plus, câlin d'ours, eh ben, c'est une attaque qui vaut 80 dégâts wow. sur la carte. Alors, Chelours GX peut écraser les Pokémon adverses avec son puissant câlin d'ours ou les faire valser hors de combat avec son attaque grand lancé GX. Cette démonstration de force brute montre une facette menaçante de Chelours GX malgré son apparence moelleuse. Ajoutez cet étonnant Pokémon GX à votre collection et faites découvrir à vos adversaires ce Pokémon à la fois câlin et puissant. Alors moi je le trouve trop beau, ce Pokémon, il est trop trop beau. On a trop envie de le prendre dans ses bras. Alors, ouais, mais sauf qu'après, eh ben, il peut nous écraser avec son câlin d'ours. Ouais. C'est bête. Alors Loulou, est-ce que tu veux le déceler ce grand lancé, ben, c'est une attaque GX. Wow. Apparemment. Est-ce que tu veux le déceler en fait, ce super coffret ou pas? On le laisse comme ça. On le laisse pas comme ça. On le laisse pas comme ça? Oh, ouais, mon chéri, si tu veux. Ah, t'as toujours le même problème, hein, parce que Corentin n'a pas d'ongle. Ah, oh. Ok, ronfler. Ouais, il y a le chien qui vient de ronfler, je sais pas si vous avez entendu. Tiens, okay, j'ai commencé. Le dormeur. On ne doit pas abîmer cadre photo. Ah. Oh, cadre photo, on se fait un câlin. Oh, alors. Oui, ça peut être sympa. Parce que lui, il en a un câlin. Tu t'en sors? Oui, je vais m'en sortir. Et voilà, bientôt c'est fini. Hop. Alors ça, on le met de côté parce qu'on entend les garde tous pour faire des cadres photos. Hop. La carte de Jumbo, c'est la plus facile. Est-ce que tu veux que je t'enlève, peut-être enlève les boosters et puis moi je vais t'enlever la promo alors. Hop, il y a le con online. Ouais, ça montrera à la fin je pense. Ah, fais voir, attends, je vais te l'enlever Loulou. Attention, attention. Elle n'est pas tordue, heureusement. Elle n'est pas tordue? La carte Chelours. Ah oui, elle s'enlève toute facilement. Ah oui, t'avais raison, bah tiens. Oh, regardez, ils ont changé. De carte Chelours. On fait voir à quoi elle ressemble la Jumbo un peu. Au début, mais il y avait un truc comme ça pour la bloquer. La Jumbo, après. Alors celle-ci d'abord. Ok. Regardez les amis, comme elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop belle. Hein. Moi, j'adore. Hop. Elle est magnifique, hein. Grand lancé GX, elle a 210 de PV. Voilà. Et c'est la carte promo, bien sûr, c'est marqué. Elle est trop trop belle. Il faut voir la Jumbo, du coup, bah Jumbo c'est la même, en hein, 5 fois plus grande. Là. Corentin, ils adorent. Voilà. Elle est trop belle. Quand Jumbo, c'est exactement la même, sauf qu'elle est plus brillante, j'ai l'impression. Bon, après, c'est parce qu'il y a plus de surface qu'on a l'impression que c'est plus brillant, mais elle est trop trop belle. Au début, il y avait ça. Au début, il était comme ça, regardez. Petit Pokémon. Il était aussi trop mini avant. Alors Loulou, est-ce que on les regarde les boosters ou est-ce que tu veux les ouvrir? Les ouvrir. Les ouvrir. Il y en a 4. On peut voir ce qu'il y a comme illustration. Hop. J'aime bien elle. Et lui, c'est un nouveau Pokémon.
Alors lui, c'est... Comment il s'appelle lui déjà? Je sais plus quoi. Oh bah... C'est Dalula. Comment il s'appelle lui déjà? Moi je vais pas regarder Alula. Lui c'est... Ce matin j'ai un peu regardé, il y avait ce Pokémon. Alors là on a Lou Garrock X. Ouais. Là on a... Développé. Mantali GX. C'est bien ça, Dalula. Mantali GX Dalula, voilà. Ensuite, il est trop beau. Alors celui-ci, c'est qui? On l'a jamais vu. Alors je sais plus. Bon, en fait, Corentin commence hein, depuis cette année seulement dans les Pokémon, depuis 2-3 mois. Donc ça n'est pas longtemps, donc dites-nous dans les commentaires. Et fais voir celui-ci. Lui, je regardais un épisode de Pokémon et ce matin il y était. Quand il était en train. C'est Tocorico. Oui, Tocorico. Tocorico. Et en plus, maman a commandé le coffret. Ah, faut pas le dire. Ah oui, on va avoir le coffret très bientôt, oui les amis. Ah voilà, ben voilà, Corentin il a spoilé. Alors Loulou, est-ce que tu veux les ouvrir ces coffrets? Oui. Enfin, ces boosters. Je peux commencer avec lequel? Avec Lou Garrock. Lou Garrock, ok. Oh, je crois que c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, hein, mon loulou. Hein. Alors là, on y va. Alors je lui ouvre. En plus, c'est la première fois que tu les ouvres, ceux-là, je crois. Ouais. Et pour me faire un tsuma, et ben, il faut bien les ouvrir. Ouais. Ouais, bah, je crois que là, c'est loupé. Je ne spoil pas. C'est bon, t'as fait. Et voilà. Voilà le code online. Alors, Froussardin. Cadoiseau, Thiboudet, on dirait un peu un Pokémon que j'aime bien dans Woody. Dans Woody, il y a un personnage qui... Ramoulos, Mucuscule, lui j'adore, c'est trop bien. Alors, énergie, vie, Vorastéri, Ténéfix, Loterie d'énergie. À mon avis, ça, c'est si tu veux de l'énergie, et ben ça en sort. Oui, ok. Flambusard. Wow. Moi, j'ai en ex. C'est une holographic reverse. Ah, holographic reverse. Regardez. Et qu'est-ce que t'as en dernier? Météono. Waouh, trop bien, c'est une holo. Ah, ça faisait longtemps que t'avais pas eu d'holographique. Oui, hein. J'avais eu que Mewtwo. Ouais, ah, ça faisait super longtemps, elle est trop belle. Alors super, Taïnolo. Ouais, maintenant on va enchaîner avec le deuxième booster. Alors, on ne sait pas comment ça s'appelle. Ouais, bah dites-nous dans les commentaires les amis. Je vais pas l'ouvrir. Oui, je vais te l'ouvrir. Alors on y va plus doucement que tout à l'heure. Ouais. Ah mais il s'ouvre, mais... Ah, il s'ouvre vraiment trop facilement en fait. Ouais. Alors on y va. Hop. Alors voilà le code online. Alors, passe rouge. Normalement, je sais en quoi il est voulu. Car je l'ai. Finessir, j'aime bien, on dirait une bougie, Finessir. Scrutella. Pandespiek, lui j'aime bien. Pandespiek, et ben, il a Vivre Obscur en attaque. Il y a presque tout le monde là. Oh, Goupix d'Alola. Yeah. Et même que ici on a son évolution juste ici sur un booster. Énergie feu. Je crois qu'il y a une énergie dans un booster.
Melodelph. Je sais pas si je le prononce bien. Potion Max. On a dit c'est pour joli. Aucune idée. Recycleur d'énergie. Oh, on a eu la même que tout à l'heure, mais sauf qu'elle est en rare. Loterie d'énergie. Avec Plumela. Plumeline. Ah, Plumeline, d'accord. Trop joli. Ok. Lui, j'aime bien. T'en peux voir, celle-ci ? Ceci, c'est une holographique reverse. En fait, dès que t'appuies sur l'énergie qu'il y a dessus, à mon avis, après, ça te donne l'énergie. Direct. C'est bien ça. Alors, on enchaîne avec le prochain. Voilà, avec le avec l'avant-dernier. Avec l'avant-dernier. Après, il y a Tocorico. Ah, t'as gardé Tocorico à la fin ? Ouais. Une double, mais... Hop, regarde, je t'aide un peu. Voilà. Faut pas spoiler. Meloufé. Ah, j'aime bien Meloufé, moi. Tentacol. Tentacool. J'aime bien, lui. Il est très rigolo. Morpheo. J'aime bien aussi. Ah, Scrutella, une double. Moi, je la trouve trop mimi, Scrutella. Scrutella. Si tu veux, je te la donnerai si... Oh, t'es trop gentil, mon chéri. Rattentif. Lui, j'aime bien aussi. Attentif. Il est trop mimi. Énergie terre. Non, énergie combat. Non, faux. Ah, faux. Bah, je sais pas. Cavière. Oh, ça, c'est des... Cavière, loulou. D'accord, mais ça, c'est des qu'un Pokémon. Et ben, tu peux te mettre dessus pour le ramener. Dodo. Ala. Dodo Ala. Il me semblait qu'il était de Alola. Mesmerella. Oh, c'est l'évolution de ce côté-là. Plumeline. Pas de la même couleur. Oh, lui, je l'ai déjà. Il n'est pas de la même illustration et ni de la même collection. Tarinorm. Et c'est tout. Alors, fais voir celle-là. Alors, celle-là, c'est une holographique reverse. Voilà. Alors, maintenant, il ne te reste plus qu'un booster, c'est ça ? Oui, c'est Tocorico. Le meilleur pour la fin. Ouais, mais pas le meilleur pour la fin, si tu le dis. Je me suis dit que c'était le meilleur pour super la fin. Super Tocorico. Alors, il s'ouvre vraiment bizarre, ces boosters. Ils sont fragiles, on dirait. Ouais. Ouais, c'est assez bizarre. Son main, c'est pas donné. Voilà le code online. Un, deux, trois, quatre. Oui, je vais donner un coup en même temps. Deux. Alors, est-ce qu'on va faire mieux? Allez, est-ce qu'on aura une secrète, une VX ou une foulard ou de la Munex? Terral. Une double, Tentacool, Tentacool, je vais lire. Alors une double, Mélofée. Eh, ça y est. Barloche, des rigolos. Lui, je l'ai déjà. Cavana, Cavana, mon Cavana. Carvana. Énergie terre. Oh, lui, c'est une évolution. Alors que je l'ai lui, et là j'ai son évolution. Flagados, j'aime bien. Ou lui il est costaud, je le connais. Machoper. Une évolution de quelqu'un que j'ai. Mélancolux. C'est quoi ce truc? Échange
multiple, à mon avis, c'est un échange d'énergie. Je veux voir. Oh. Une rare. Yeah. Et les dents. Et voilà. Voilà pour l'ouverture de ce coffret. Donc là, une reverse holographique. Bon, allez, loulou, c'est déjà la fin de cette vidéo. En fait, de cette ouverture de coffret Pokémon. Ouais, tout à fait, t'as raison. Alors, bon, t'as pas été trop chanceux, mais bon. Mais au moins, j'ai eu quand même une holographique que j'en avais pas eu depuis très longtemps. Et aussi, j'ai eu des trucs pour échanger des énergies pour en avoir. Ok, ça bon. C'est bien. Voilà, ça c'est bien. Bon, Corentin est jamais déçu et toujours content de compléter une collection. Voilà, donc c'est une super carte. Donc, mon loulou, est-ce que cette ouverture t'a plu? Oui, elle m'a plu. Ouais, elle t'a plu? Oui. Ok. Alors, les amis, bah, dites-nous dans les commentaires si cette ouverture Pokémon vous a plu. Si vous aussi, vous avez ouvert ce coffret et si vous avez eu plus de chances que Corentin. Ouais. Si vous avez eu des secrets, des fantômes, des gigs. Des fantômes, je pensais que j'allais en avoir une. Bah, dites. Ouais, tu pensais, ouais. Bon, c'est pas grave, on ira acheter les boosters? Oui. Ouais. Allez, loulous. Donc, comme je vous le disais, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous. Mouah.